Voilà le programme de cette formation que vous m'avez souvent demandé sur le détachement émotionnel. Vous allez apprendre comment réussir vos objectifs, comment récupérer votre conjoint en crise, comment faire en sorte que ça dure le moins possible, comment faire en sorte pour que la tempête liée à la crise existentielle ne vienne pas à bout, malheureusement, de votre couple. Tout ça, c'est expliqué. Ça va passer non pas par un changement de votre conjoint, il va changer votre conjoint, les crises se terminent tout le temps. Mais par vous, si vous arrivez à vous détacher émotionnellement, vous allez accélérer le processus, vous allez éviter de faire tanguer le bateau pendant la tempête, vous allez éviter de brûler ce vaisseau-là, vous allez éviter de faire des interdits, à condition que vous arriviez à maintenir vos émotions. Si vous arrivez à maintenir vos émotions, eh bien ça va être très compliqué. Vous n'allez plus avoir de conflit avec votre conjoint, et votre conjoint qui pense que sa crise existentielle vient de vous, son problème vient de vous et que ça vient du couple, eh bien, il va comprendre là très rapidement qu'il n'y a plus de conflit avec vous, donc son problème ne vient pas de vous. Et ça, c'est grâce à ce détachement émotionnel que vous allez apprendre dans cette formation. Cette formation dure environ 2 h 30, c'est que des fichiers audio, vous les écoutez, vous les réécoutez, il faut que ça rentre dans votre cerveau. Ce n'est pas des formations basiques sur cette chaîne, c'est des formations sur les neurosciences. Vous savez, les formations basiques, c'est petit A, petit B, petit C, petit D, ça ne marche pas. C'est se former et se rentrer dans le cerveau, comment on fonctionne, recréer des liens dans votre cerveau. Et pour ça prend du temps. Il faut réécouter, réécouter, réécouter. Il n'y a pas d'autre solution. Et vous avez 2 h 30 d'audio que vous allez pouvoir écouter par fichier de 5 à 15 minutes. Quand vous avez un moment, vous commencez par par le fichier que vous voulez, celui qui vous inspire le plus, et ensuite vous verrez que naturellement vous aurez envie d'écouter les autres. Alors vous avez dans cette vidéo les 2 fichiers neurohypnose que vous allez écouter, c'est une musique avec des ondes binaurales qui calment votre cerveau, et dessous il y a des, vous n'entendez pas ma voix, mais il y a ma voix en dessous de l'infrasensoriel, c'est-à-dire un message subliminal, ça va rentrer rapidement dans votre cerveau. Comment se détacher émotionnellement. Ça, c'est le premier cadeau, ça vaut 25 euros, le premier bonus. Le deuxième bonus qui vaut aussi 25 euros d'habitude, c'est le fichier de motivation où je vous fais un résumé de la formation en 10 minutes avec une musique, avec une voix qui a la patate, et vous l'écoutez aussi, et ça va rentrer, ça va rentrer, ça va rentrer, ça va rentrer, parce qu'on est des pirates qui avancent. On n'écoute pas passivement A, B, C, D, on écoute activement, et vous pouvez écouter pendant que vous faites votre sport, pendant que vous faites votre ménage, pendant que vous conduisez, vous le mettez dans votre système MP3, et vous écoutez, et vous avancez au fur et à mesure de la journée, 2 h 30, et vous les écoutez, vous les écoutez, vous les écoutez. Vous avez en bas de cette page, là, vous avez juste le lien pour recevoir. Vous cliquez sur le lien, vous pouvez payer par carte bleue et par PayPal, et ensuite je vous envoie le lien immédiatement. Donc vous avez deux fichiers offerts, donc la neurohypnose et la motivation, de 25 euros chacun, donc ça fait déjà 50 euros. Qu'est-ce que vous avez dans cette formation? Ben, vous avez 2 h 30 de formation en audio. Alors je vous donne quelques titres. Un exercice simple pour se détacher des émotions. Plus c'est simple, plus ça fonctionne. Comprendre quel est le cercle vertueux du renouveau. Ah, si vous comprenez cette notion de cercle vertueux, ça va le faire. Faites-vous aider, c'est pas compliqué. Hein. Vous allez voir comment vous faire aider pour vous détacher de vos émotions. Savoir s'entourer pour prendre soin de soi, c'est très important. Hein. Vous allez voir qu'il vous faut laisser tomber les rabat-joie, les personnes qui se permettent de vous donner les conseils alors qu'ils n'en ont pas les compétences. Je vais vous aider dans un autre fichier encore. Tout ça, c'est des fichiers différents à chaque fois. Hein. À trouver un mantra positif qui va vous aider quand vous arrivez dans vos mauvaises émotions, entre guillemets, à vos émotions collantes, à vous en sortir. Je vais vous apprendre dans cette formation à maîtriser votre attention, et ça vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie de tous les jours. Vous allez apprendre à communiquer efficacement une fois que vous êtes détaché émotionnellement de ces émotions, ça c'est la suite, tout ça c'est des fichiers différents. Vous allez apprendre à observer votre interlocuteur pour vous détacher de vos émotions, ça c'est encore un fichier. Encore un nouveau fichier, vous allez apprendre patience et temps, c'est le combo gagnant pour se détacher de ses émotions. Vous allez vous apprendre à être conscient de vos émotions. Hein, je vais vous apprendre ça. Il y a une fiche audio qui vous apprend à vous détacher de vos émotions en étant conscient. Je vais vous apprendre 4 compétences pour se détacher émotionnellement. Comme ça, celui-là, vous pourrez le réécouter. Il me faut ces 4 compétences, il me faut ces 4 compétences. Et en écoutant l'audio, vous allez les acquérir. Je vais vous apprendre que le cerveau est plastique, que vous êtes l'architecte de votre cerveau. Pour apprendre à maîtriser vos émotions, vous allez être l'architecte de votre cerveau. Vous allez pouvoir construire le cerveau comme vous voulez. Vous allez vous éloigner des mauvais conseils. Je vais vous donner tous les mauvais conseils qu'il ne faut pas suivre quand votre conjoint est en crise pour vous détacher émotionnellement.
Je vais vous expliquer comment le détachement émotionnel vous guérit dans votre couple, va guérir votre couple. C'est grâce à votre détachement émotionnel que vous allez accélérer la guérison. Vous allez comprendre qu'il vous faut passer des émotions à la tête et l'instinct. L'instinct, c'est l'estomac, on va dire, la force. Et la tête, c'est la stratégie. Et vous allez sortir des émotions, vous allez pouvoir utiliser deux autres centres de fonctionnement. Vous allez vous éloigner émotionnellement pour ne pas vous éloigner physiquement, parce que si vous vous éloignez pas émotionnellement, vous risquez de vous séparer. Je vais vous apprendre encore sur notre fichier à vous poser des petites questions. Et si vous vous posez ces questions, vous allez occuper votre cerveau. J'ai un fichier qui s'appelle Juste faites-le. Hein, c'est le slogan de Nike en français, hein, Juste faites-le. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué de se détacher de ses émotions. Je vais vous faire un fichier aussi. Vous avez un fichier dans la formation Retrouvez celui ou celle que vous étiez en début de relation. Ah oui. C'est une façon de se détacher. Et je vous expliquais que le détachement émotionnel, finalement, va vous permettre de guérir un trouble, hein, le trouble de la dépendance affective notamment, et qui va vous permettre de faciliter votre retour. Vous avez en bonus aussi offert un livre. Ça, c'est la surprise. Vous le découvrirez dans la formation. C'est le troisième bonus avec après offert le fichier de neurohypnose et de motivation. Voilà, vous avez tout pour réussir, pour améliorer votre relation, pour passer la tempête de votre crise existentielle en vous détachant émotionnellement. L'avantage, c'est qu'une fois que vous aurez appris à vous détacher émotionnellement pour l'un des moments les plus compliqués de la vie, c'est-à-dire la crise existentielle de son conjoint, vous allez être capable, oui, vous allez être capable de le faire dans plein d'endroits différents, dans votre vie professionnelle, avec vos enfants, avec vos amis, etc. Vous détacher émotionnellement va devenir une compétence majeure chez vous. Allez, on va en bas de cette page, on clique sur le bouton pour accéder à la formation. On se régale parce qu'il y a eu beaucoup de plaisir pendant cette formation. On apprend des choses et pendant ce temps, on passe la tempête. On est la meilleure version de nous-mêmes et on évite les interdits. On se retrouve de l'autre côté.